Si vous êtes musulman et que vous avez, en plus de cette magnifique identité, une autre étiquette qui vous tient à cœur, soufi, salafi, chiite, hanafi, chafi'i, maliki, sunnite, etc., je vous demande d'y renoncer. La communauté des croyants est divisée parce que ses membres s'accrochent à des étiquettes qui n'ont jamais été celles du dernier prophète, que la paix soit sur lui. Le diable sème la division parmi nous en focalisant notre attention sur tous ces noms qui dispersent notre foi et parasitent notre conscience. Il n'y a pas de meilleur titre que celui de musulman. Pourquoi en revendiquer un autre ? Je ne vous demande pas de renoncer à une pratique religieuse, quelle qu'elle soit, juste de vous débarrasser du mot qui vous sépare des autres musulmans et qui, ainsi, élève un mur au milieu d'une communauté qui devrait être unie. Je vous en prie, ne prononcez plus ce mot à propos de vous-même. Dieu dit dans le Coran « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble de Dieu et ne soyez pas divisés. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à se disputer après que les preuves leur furent venues et cela au rang un énorme châtiment. » Sourate 3, versets 103 à 105. Chaque nom autre que celui de musulman est une déplorable innovation qui coupe la communauté en deux. D'un côté les chiites, de l'autre les sunnites. D'un côté les salafis, de l'autre les non-salafis. D'un côté les soufis, de l'autre les non-soufis, etc. La seule manière de ne pas participer à cette déplorable cacophonie, à cette dangereuse zizanie, c'est de s'en tenir au nom que Dieu, dans sa miséricorde, nous a donné. Si aucun musulman n'avait jamais revendiqué d'autre nom que celui de musulman, la communauté des croyants serait peut-être encore unie. Vous dites que le soufisme, le salafisme, le sunnisme, le chiisme, etc. est le meilleur islam, ou le seul islam, ou la meilleure partie de l'islam ? Dieu a un autre point de vue. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Dieu, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». Dieu n'a pas dit « J'ai agréé le soufisme, le salafisme, le chiisme comme religion pour vous ». Il n'a pas dit non plus que la plus belle parole, c'est de dire « Je suis du nombre des soufis, des salafis, des chiites, etc. » Le meilleur islam, c'est l'islam. Le seul islam, c'est l'islam. Et la meilleure partie de l'islam n'est pas aussi excellente que l'islam tout entier, car lui est complet. Rien ne lui manque. Troqueriez-vous un trésor de perles, de rubis, de topazes et de diamants contre le plus beau de ses joyaux ? Ce serait idiot. En vous identifiant à un autre nom que celui de musulman ou de musulmane, vous hésitez entre la proie et son ombre, vous vous raccrochez à quelque chose de fragile et de douteux dont ni Dieu ni son prophète n'ont parlé. Est-ce vraiment une bonne idée ? Pour se cramponner au câble de Dieu, on n'a pas trop de ses deux mains. De plus, souvenez-vous que le prophète, que la paix soit sur lui, se désolidarise de tous ceux qui morcellent l'islam. Il s'en lave les mains. Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de cela, tu, ô Mohammed, n'es responsable en rien. Leur sort ne dépend que de Dieu. Puis, il les informera de ce qu'ils faisaient. Sourate 6, verset 159. Ce n'est donc pas juste moi qui vous demande de renoncer à cette étiquette, c'est Dieu lui-même, c'est votre créateur en personne qui vous le demande, ou plutôt qui l'exige. Lui obéirez-vous ?